Stack qui l'emmerde. C'était le mode stack qui l'emmerde. D'accord. Bah écoutez, c'est tout, hein. On va. C'est bizarre. Normalement, le mode stack il est pas censé l'emmerder. Pas grave, on va mettre une speed à la place. J'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie dans mon. Dans mon grid. Voilà, ça s'est réglé. Ensuite, donc, il me faut il me faut deux speed upgrade. Parce qu'à tous les coups, dans ce cas, lui aussi, il doit être gêné. Lui, là, il doit être gêné par le stack aussi. Donc, on va partir du principe de lui remettre une upgrade simple. Même si en soi, voilà quoi. Hop. Ça pose pas vraiment de soucis. Et lui, et ben résultat, on va lui mettre la petite upgrade supplémentaire qui lui manque. Et on. Bon, je vois qu'il y a des ou. Je vois que dans les trucs qui sortent surtout, il y a des ou. Donc on va. Alors pareil, tout ce qui est sword, finalement on va pas supprimer. On va bel et bien ramener, mais alors on va pas vérifier les tabs et on va faire ça. Ah non, non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je voulais, donc ça c'est bon. C'est surtout ici, au niveau de ce que j'importe. On ignore les end tabs et on envoie des swords. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je n'ai pas besoin? Alors ça bouge beaucoup. Voilà, donc les ou là, les wooden axes là. Hop, pareil, ça va repartir en recyclage. Bon, ça faudra que je trie. Hein. Faudra que je trie ce que je veux, ce que je ne veux pas garder. Bon, une chose que je vous ai pas montré, mais qui est important, c'est au niveau du slag. Vous savez, quand on. Alors, je vais m'éloigner par contre de ça, pour vous en parler, et surtout me mettre devant la machine qui est concernée. Il y a le slag que je ne vois plus. Là, voilà, le slag, 7K. Comment ça se fait que j'en ai produit autant? Alors, à quoi ça peut servir? Ça peut servir à plusieurs choses, hein, le slag. Donc, on le récupère notamment avec l'induction smelter. Quand on utilise l'induction smelter, on a une chance d'en générer. Donc voilà. Et avec ça, on peut faire de la clé, on peut faire de la dirt. Et encore, la dirt, c'est un peu compliqué avec le composant là qui est demandé. Et on peut faire du concrete. Donc, le concrete, ça, je m'en sers pour je sais plus quel craft. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin de concrete noir pour je sais plus quel craft. Voilà, on peut crafter 2-3 trucs voilà, qui sont, voilà, qui peuvent être intéressants. Mais franchement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout la clé et le concrete. Donc les crafts sont déjà faits, hein. Si jamais j'ai besoin de concrete ou de clé, eh ben ça utilisera du slag pour ça. Et surtout, j'ai trouvé une manière de générer du slag à l'infini, du moment que j'ai de l'énergie et du sable. Comment ça se fait? Eh ben en fait, j'avais du mana, des mana infusé d'ingot, qui arrivait là-dedans, enfin à l'état brut, à l'état de minerai.
Donc ici, voilà, c'est ces trucs-là, donc les mana à fusil d'or, voilà, c'est ça. Donc ça, je le pulvérise. Donc j'ai dédié un pulvériseur à ça. Et le... D'ailleurs, attendez. Oui, et donc déjà, rien qu'en le pulvérisant, déjà, ça a une chance de me faire du slag. Donc ce slag-là, eh ben, je l'envoie déjà directement dans le circuit. Donc déjà, rien que pulvériser du mana, du mana infusé d'or, ça peut me générer du slag. Bon, donc ça, je l'envoie dans le système. Ensuite, je fais cuire le mana infusé de pulvérisé, ce qui me donne des ingots. Ces ingots, je peux les auto-crafter en mana infusé de gear. Et ces mana infusés de gear, je peux les mettre dans un induction smelter avec du sable. Et ça va me ressortir 4 lingots et potentiellement du slag, jusqu'à 25% de slag. Et donc en fait là j'ai une boucle infinie. C'est-à-dire que là j'ai 4 lingots qui sortent, j'en refais un rouage, le rouage part, il est détruit, remis en 4 lingots, et ainsi de suite. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte, hein, je vais vous montrer dans les crafts. Donc c'est avec le slag R, voilà. Donc c'est avec le mana fusée. Voilà, en fait, il faudrait que je trouve le mana fusée. Mana fusée, voilà. Donc si je regarde dans les usages, voilà, on utilise 4 lingots pour faire un mana à fusée de gear. Et le mana à fusée de gear, quand on le détruit avec l'induction smelter, ça nous retourne 4 lingots. Et alors, c'est pas 25, c'est 20% de slag. Voilà, du coup, ben, boucle infinie. Donc, c'est simplement, voilà, hein, j'ai un autocrafter ici qui est blindé de mana. Mais en soi, 4 lingots me suffisent. 4 lingots me suffisent et je crée du slag à l'infini tant que j'ai de l'énergie et du sable. L'énergie, pourquoi? Parce que ben, l'induction smelter, faut bien l'alimenter et il consomme aussi du sable. Et j'ai rajouté aussi un basic drawer. Je sais plus si je l'ai. Je sais plus si je l'ai upgrade. Je l'ai pas upgrade. Bon, s'il y a besoin, je l'upgraderai, c'est pas un souci. Mais voilà, en gros, là, j'ai un circuit infini qui me produit du slag. Avec le mana ingot. Et du coup, ben, les mana ingot qui me viennent des ore miners, eh ben, il est traité. Et ça me consomme. Voilà. Et donc, résultat, ben, c'est une place en plus dans le create. Voilà. Ah, il y a Tomcraft aussi, il faudrait que... pareil, Tomcraft, hop, vous êtes gentil, mais... hop. Ça va partir direction... on va mettre ça, pas là, là. Hop, ça va partir direction... direction les recycleurs. Qu'est-ce qu'il dit lui? Hop, on va peut-être rapidement finir de le charger lui. Il a quasiment fini. Alors juste pour faire un truc, hein, c'est pour lui dire ça. Voilà, c'est seulement quand c'est plein. Et eh ben, on est reparti, je pense. Est-ce qu'on le laisse encore se charger, lui? Laisser se charger encore. C'est pas grave.
Faut attendre qu'il soit full et on le mettra. What? Alors t'es gentil, c'est pas ce que je t'ai demandé. Pourquoi il m'a envoyé du scrap là? Oh, à aucun moment c'est. Ah bordel! Hop. C'est parce qu'à mon avis, il doit être lié au nom. On va voir. Je dis, on va laisser se charger et je balancerai pour recycler tout ce qui est déchets qui encombre plus mon système qu'autre chose. Même si en soi, on s'en tape un peu. Hein. On s'en tape un peu, j'ai de l'espace. En plus, je peux faire d'autres disques drive. Voilà, honnêtement, ouais, voilà, j'ai de la place, c'est pas le problème. Donc voilà. Après, voilà, faut que je fasse le tri sur ce que je veux plus, sur ce que je ne veux plus. Ça, par exemple, hein, les Affinity Booster Cards, c'est gentil, mais je m'en servirai pas, je m'en servirai jamais, donc autant les balancer. Enfin, voilà. Je me pose la question, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse d'autres géothermal générateurs, hein, tout simplement pour alimenter mon. Je me tâte, hein. En vrai, ça se négocie, hein. Bon, on verra comment j'organise le truc. Mais il est possible qu'il faille, ouais, que je fasse d'autres géothermales. On va essayer d'en faire un. On va essayer d'en refaire un. Bon, encore une fois, hein, il y a du verre, il y a des trucs. Faut que j'en pré-processe du verre. Parce que. Voilà, hop. Et ça, hein, parce que si je lui dis, il me dit qu'il faut quoi? Ouais, c'est le verre, hein, c'est le verre à chaque fois qu'on merde. Donc. Voilà. J'en pré-processe comme ça, ce sera prêt à être utilisé. Hop, le géothermal générateur, on va donc en mettre un autre ici. Ok, évidemment. Et donc là, la grande question c'est comment je déplace ce merdier? Comment je l'alimente lui? Parce que. Cette histoire de. Lui, il reçoit pas plus parce que. Parce
qu'ils se transmettent pas de l'énergie de l'un à l'autre comme ça. Faut obligatoirement que lui, je le raccorde là. Donc va falloir que je casse ça. Alors, résultat. Résultat, on va encore remodifier la tuyauterie. Il va me falloir. Zut. Des fluides. Et là, je commence à me dire qu'il va falloir que je fasse plus de géothermal. Ça va être la seule solution, hein, parce que là, ça va pas être possible, quoi. Il va falloir que j'en fasse deux de plus. Et je les alimente, et puis c'est tout, hein. Allez, c'est parti. Géothermal générateur, deux de plus, c'est parti. Let's go. Eh ben, avec le verre pré-traité, ça va déjà tout de suite mieux, hein. Essayer de les mettre comme ça. Comme ça, on peut un minimum voir. Lui, il faut que je. Zut. C'est pas grave, au moins je peux bien le replacer. Voilà. Ok. On s'assure qu'on se met ça à fond, mais. Eh ben ça y est, je produis plus que je consomme. Je produis plus que je consomme. Donc ici, il m'envoie du scrap alors que je lui demande pas du scrap, je lui demande du. Scrapbox, pourquoi? C'est du scrapbox, ça c'est pas du scrap. J'ai pas compris là, il comprend pas ce que je lui demande. Enfin. C'est chiant ce truc, quand je clique sur off, faut obligatoirement cliquer sur done. Donc on est d'accord qu'il me crée du scrap là. Donc là, dès qu'il va avoir un 9e scrap, voilà, il m'a créé une nouvelle scrap box qu'il importe ici. Bon, on va laisser un peu se charger parce que en soi voilà. Mais là, je vais pouvoir recycler toutes les ressources qui ne me servent pas. Ça va prendre du temps, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et puis bon, bah, ici, je vais avoir du storage. Voilà. Et puis bah, cette idée de recharger, résultat,
Zut! Ah, quel con. Alors, c'était... Il est passé où? Ah, au secours, il est passé où? Me dites pas qu'il va falloir... Ah non, non, Bah si. Oh, c'est pas vrai. Alors, il me faut la crafting upgrade, un pile stack et speed upgrade. Voilà. Donc ça c'est bon. Allez, non, là je l'ai coupé là. Non, c'est bon. Non, bah dans l'ensemble, je suis assez content du truc, même si c'est au niveau sonore infernal. Si je mets le quatrième, est-ce que ça suit toujours? Ça se remplit toujours, donc je peux passer à 4 upgrades sans problème. En vrai, dans l'ensemble, ça va. Quand même mettre des speed upgrades. Parce que j'ai l'impression que potentiellement ça ne peut pas suivre. Ok, ici elle est où et tout. Ici il y a les Sina machin. Ici évidemment voilà, il y a les... Il y a tout ce qui est Biome Plenty, ça va prendre énormément de temps. Mais ça va se faire. Donc petit à petit, voilà, ça va se vider. Ça fait du scrap, ça me retourne des trucs, ça me refait de la merde aussi. Hein, parce que faut pas se leurrer, hein. Va falloir que je fasse du tri dans les trucs dès que je vais voir un truc qui va. Dès que je vais voir un truc qui va popper, que je me dis c'est pas possible, ça vient du scrap. Mais bon, j'ai le temps de voir venir de toute façon. Et en vrai, de toute façon, je pense que les nouveaux trucs vont arriver dans le nouveau dans le nouveau drawer là, parce que c'est bizarre que j'ai rien qui arrive là. C'est bizarre que je n'ai rien qui arrive là encore.
Alors que pourtant c'est bien relié avec un external storage. J'ai pas mis de priorité ni rien pourtant. C'est exactement la même priorité ici. C'est 0. Et ici la priorité c'est 0 aussi. Tout est en priorité 0, donc il n'y a pas de raison que là-bas ça se remplisse pas moins qu'ailleurs quoi. Bon, enfin bref. Et du coup, comme je disais, ici je peux virer les swords en métal. Mais en soi, voilà, ça va quand même être filtré. C'est si jamais il y en a qui arrivent quand même à parvenir parvenir à travers les filtres. Ce sera recyclé plutôt que d'encombrer. Mais si je laisse, ça encombre, ça bouche mes tuyaux. Donc, dans tous les cas, je pourrais pas laisser venir les épées. Ça, ce n'est pas possible. Ah! Mon ardite est fini. Et ben, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Parce que je vais juste le couper et mettre le cobalt là-dedans. Voilà, comme ça j'ai terminé mon ardite. Même s'il y en a toujours qui arrivent, un hein, résultat hein, de mes void miners. Mais ça voilà. Ah voilà, j'ai du mana qui vient encore d'arriver. Mon autocrafter est presque full. Hein. Ça va être quelque chose. Mais ça produit, c'est cool. Ça produit du slag. Et donc si jamais j'ai besoin. Alors normalement j'en ai en stock, hein, mais de la clé. J'en ai pas tant que ça en plus en stock. Sinon du concrete. Voilà. Si j'ai besoin de créer du concrete, l'avantage c'est que j'utilise du slag. Et c'est réglé quoi. En plus, ça en consomme très peu. Enfin voilà quoi. Le slag va m'être utile. Le slag va m'être utile si jamais j'ai besoin de clés ou de concrete. J'ai pas. Voilà, on a fait le tour. On a fait un petit peu d'industrial craft ensemble. Je voulais pas, mais c'est pas grave. On va juste regarder la consommation de lave. Rapidos là, parce que. Vivement que le MFU soit rempli quand même, parce que je pense que ça devrait aller. Hein. Lui, il va tenir le choc et tout. Il sert de buffer. C'est pas demain que ça va vider, mais. C'est qu'un indicateur, hein, le nombre de d'undergénérateurs qui est allumé, mais. Voilà quoi, ça consomme de l'enderpearl, hein, cette histoire. Hein, bon, en vrai, dès que j'allume, je suis sûr, hein, dès que je passe en easy, ça. Voilà, je. Sûr, dans quelques instants, ça va, la balance va être contraire. Me dites pas que je consomme plus que ce que je produis. Oh merde. C'est l'heure d'être le cas. Alors après, le truc, c'est que j'ai mis un importeur là. Et résultat, mes underpearls, elles arrivent aussi dans. Elles sont divisées en deux.
Elles arrivent aussi bien là que qu'elles arrivent à... Bon, 1 million, j'ai encore le temps de voir venir, mais... Ah, mais quand même, quoi. Mais ça galère en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression surtout que mes mobs crusher galèrent, non? C'est une impression. Bon, juste une illusion, à peine une sensation. Qui dirige tes pas, qui te montre du doigt et qui s'en va quand il n'est plus là. Pardon, désolé, je vous l'ai mis dans la tête, je crois. Oh, espèce de troll. Allez, vire de là. Vire de... Je vais me mettre dans le void tout seul. Vous allez voir ce qui va se passer. Allez, tombe, tombe, tombe. Voilà, c'est bien. Mais d'où vous... Ah bah oui! Ah bah oui, j'ai pas éclairé là! Oh merde! Ça fait pas assez de lumière ça pour empêcher le spawn. Du coup, je vais devoir tout torcher. Mais je vous jure. Barrez-vous, bande de touristes, c'est pas... C'est des Void Miners, c'est pas Stone Age. Hein. Oh là 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 là, je vous jure. F4, est-ce que j'ai... Oh putain. Bon. Falloir que je résolve ce problème. J'ai plus de torches. Mes sticks. C'est bon, allez, hop, on va mettre ça sur les nuls modifieurs, ça suffira. Ouais, allez, à côté, c'est pas grave. Si, c'est grave, ça couvre pas entièrement. Est-ce qu'il y a des zones encore qui sont mal couvertes là? Cet enfer. C'est bon, ici, là, c'est bon. Ok. Là, je sais que c'est bon. Les tuyaux sont spawnables, hein, même si les chiffres n'apparaissent pas dessus. Ces trucs-là sont spawnables. Ce qui est complètement idiot.
Bon, là, le niveau d'éclairage est suffisant. Là, c'est pas suffisant. Bah ouais, comment je vais... Ouais, bah voilà, ça c'est réglé. Parce que torcher, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est un peu chiant, quoi. Remettre une petite torche ici. Sinon, je mets ces lampes-là aussi. C'est des glowstones qui sont ciselés quand j'ai pas envie. Mais finalement, quand je vois ici, par exemple, ça fait un peu joli les torches. C'est joli. Est-ce que je peux mettre une torche sur les... Non, je peux pas. Je peux pas. Si je retire ça et que je mets une torche, ça marche. Bien. Ah, je peux mettre une torche là-dessus. C'est cool ça. Bon, c'est histoire d'éclairer un petit peu que je sois pas emmerdé par le spawn des Zonderman, est-ce que ça... Ah, purée! Il spawn de là-dedans! Au secours! Il spawn de là-dedans! Ils spawnent et vu qu'ils prennent des dégâts, ils se TP direct. Ah, je vous jure, mais quel enfer. Bon, ça, ici, là-bas, c'est bon. Non, c'est bon, c'était juste un glitch parce que j'en ai vu un. J'ai vu une. Sur la minimap, en fait, vous voyez, y a les points rouges là où il y a des mobs hostiles qui apparaissent. Et parfois il y en a qui glitchent un petit peu, en fait leur positionnement est faux. D'ailleurs ça se voit un petit peu à l'image, hein. Il y en a qui se TP de on ne sait où, alors qu'en fait ils spawnent bel et bien dans la cage et meurent instant. Mais là c'est bon, j'ai pas l'air d'avoir de spawn en dehors de la cage. Ça a l'air d'être géré. J'ai toujours pas remplacé ces deux tuyaux là non plus. Faudrait que je le fasse. Ici c'est réglé. Maintenant c'est. Le niveau de luminosité est bon. Allez, hop, c'est bon. J'enlève le F4. C'est réglé. Bien, bah écoutez, sur ce, on aura fait le tour pour le moment de ce que j'ai fait. On aura fait un peu d'Industrial Craft. On aura voilà beaucoup bidouillé, on aura traité les ressources qui me sont inutiles. Voilà, il va falloir que je fasse la même chose avec tout ce qui est tout ce qui vient du builder. J'y retourne mince, c'est pas là. J'y retourne régulièrement. Je vais d'abord vider mon inventaire. Ouais, les assembleurs et tout. Hop, ouais, mais le minigun, allez, j'envoie tout. Et on est parti. Builder. Je suis pas en peaceful. Je vais me faire agresser. Et le jeu a planté. Donc voilà. Bref, de toute façon, je refais un tour au builder. Je vide mes ressources. Et puis voilà quoi. Après, je verrai. Je vais essayer vraiment de me mettre à RF Tool. Surtout la partie programmation, voir ce qu'on peut automatiser. J'ai vraiment envie de jeter un œil à ça. Donc sur ce, je vous dis ben à plus tard. À tout de suite pour vous, à plus tard pour moi.
Excusez-moi, ça sera mieux avec le micro baissé. Alors, je reprends. Excusez-moi, hein, voilà. Donc, je disais, j'évirais tous les drawers. Voilà, excepté ceux qui viennent du farm d'Undermen. Et donc, j'ai tout rapatrié dans mes disques. Voilà, donc, voilà, ici, c'est le premier est plein. Et donc, j'ai fait tous mes 64 cask storage. Je peux pas monter plus, hein, il me semble. Si je tape disque. Non, ça, ce sont les fluides. Il y a le Creative Storage, mais je ne peux pas le créer sur ce modpack. Ouais, c'est 64K maximum. 64K. Ah, quoique. Ah non, ça c'est Rebound Storage. C'est quoi Rebound Storage? C'est une extension? Rebound Storage, c'est une extension de Raphael. Donc je peux monter encore plus haut? Ah bah attendez, si je peux monter encore plus haut, je vais pas me gêner. Bon, on verra ça. Pour le moment, le stockage me suffit. Mais à terme, il est possible que je vide les disques pour les mettre dans des plus gros. Bon, enfin bref. Ensuite, donc, je disais les Void Miners. Je suis passé tier 4. Donc, ça me ramène de la Ionite. Le tier précédent me ramenait du Palladium. Le tier encore avant, donc le tier 2, me ramenait de la Chironite. Et maintenant, et encore avant, au tout départ, c'était de la Litherite. Voilà. C'est ça, hein. Non, le tier 1, tier 2. Il y avait un truc qui me revenait le tier 3. Paradoxalement, j'ai plus de Ionite que de Palladium. Bref. J'ai changé mes Crystal Lens pour des. Enfin, mes Clear Crystal Lens. Non, mes Clear Laser Lens, c'est ça. Par des Crystal Lens, voilà. Bon, c'est. Ça devient volumineux. Je sais que le tier 5 est encore plus gros. Mais pour passer au tier 5, il va me falloir de la prismarine que je n'ai pas. Donc je suis coincé pour le moment. Il va falloir que je retourne dans l'overworld. Parce que pour faire les structure frames de tier 5, il me faut de la prismarine et je n'en ai pas du tout. Il me faut une prismarine apparemment par bloc. Voilà. Ok. Alors, ce que j'avais prévu là rapidement de voir avec vous, c'est que j'ai beaucoup de Draconium Dust. J'en ai. Voilà, j'en ai une belle quantité. Et donc je me disais, attendez, je regarde un truc. Ça c'est Open Computer. Nanana. Ouais, ok. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Bon. C'est donc le résultat, vu que j'ai beaucoup de draconium, se faire les armures en draconium. Et justement, j'ai fait les crafts. Donc les crafts sont prêts. Je vous propose en fait de découvrir ça. Donc tous les crafts, je les ai faits en amont. Hein, donc la cuisson du draconium ingot, tout ça, ça va se faire. Et en attendant, je vais que ça se fait. Alors. Voilà, on va se créer déjà le helmet. Donc voilà, il est capable de me le crafter. Donc on va le request. On va faire ensuite le chestplate. Ok. Les jambes. Ok. Et pour finir, les bottes qui sont. Là, c'est ça? Boots, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai request les quatre, voilà, les quatre éléments. On va attendre que ça se fasse. Ça devrait pas durer trop trop longtemps. Ce qui va prendre du temps, surtout, c'est processing. Voilà, ça va être la cuisson.
Du draconium. Et je vais regarder rapidement à ceci. Donc il me faut. Attendez, je suis en mode process, c'est ça. Ah non, alors, oui, j'ai remplacé ici le Disk Manipulator par le Crafter Manager qui me permet d'avoir accès à tous les crafters, toutes les machines. Voilà, il y a même le compresseur qui est très loin là au niveau d'Industrial Craft. Les Redstone Furnace, tout ça. D'ailleurs, voilà, je vois que j'ai un Redstone Furnace. Il faudrait que je crée trois autres Redstone Furnace pour être tranquille. Mais je peux gérer en fait la position de mes crafts. Donc dans les crafters à droite, dans les Induction Smelters, dans les pulvériseurs, les flux transposeurs, tout ça. Je peux tout gérer d'ici. Si j'ai envie de changer un peu les ordres, je peux. Et en fait, j'ai même pas à me déplacer aux machines si je veux rajouter un craft. Ce qui me fait gagner un temps monstrueux. Enfin, monstrueux, non, pas tant que ça. Mais ça me permet d'avoir une vue d'ensemble, surtout, de la position de chacun de mes crafts. Et surtout, si j'ai un doute, si par exemple, j'ai déjà fait des Basic Machine Casing, hop, j'ai qu'à regarder ici. Et je peux même taper une recherche. Hein. Par exemple, si je veux voir ce que j'ai fait en diamond, voilà, il y a toute l'armure en diamant et la pulvérisée de Diamond Dust. Voilà, il sait les faire, mais comment dire, mais au moins je peux faire des recherches sur ce qu'il sait faire. Voilà, c'est important. Voilà, donc ça c'est fait, ça n'a pas été très très compliqué à faire. Alors il me faut ça. Ok. Question si je fais ça. Est-ce qu'il y a un. Parce que ça, c'est comment ça s'appelle ça? Storage using. Est-ce que j'utilise les mêmes storage using? Ou est-ce qu'il faut obligatoirement. Non, il va falloir obligatoirement que je les recrafte après, hein. Je peux pas faire des housing à part et les rajouter. Il va falloir à chaque fois deux crafts par disque. Ok, bon. Donc on va les procéder comme ça. Donc ça, c'est le 256K. Il y a le 1024. Donc 1024. Avec. Donc le housing. Je vais rajouter les crafters. Hop. Le 4K. Donc il faut ce truc là. Oh, je pense que ça va bouffer blinde en vrai. Hein. Donc là j'en suis à 4K. Ouais, ça s'arrête à 16K. Le 16K. Ok, si j'appuie sur Shift, on est d'accord. Donc ici, j'ai tous les cœurs là de. Les parts en fait. Donc je regarde bien. 256, 1024. 4096, 16 000, ok. Là, j'ai les mêmes. J'en ai pas oublié entre deux. Maintenant, je passe de 256 à 1024. Ok. Go crafter. Et puis. Lui, il en est. Ouais, lui. Voilà. Ils sont quasiment tous pleins, hein, mes crafters. C'est pour ça que je. Hop, on va mettre les parties ici. Ouais, bon, c'est bon, ça. Zut. C'est bien ça. Et par curiosité, si je lui demande de me faire un.
Ça me manquait de ficelle. Des araignées. Je n'ai pas d'araignées non plus. Parce que les strings actuellement, comment je... Ah oui, je pulvérise de la laine. C'est comme ça que je fais mes fils. Il faudrait que je... Ouais, faudrait que je fasse ça. Faudrait que je le rajoute dans un pulvériseur. String. Hop. Alors, faut évidemment que je me mette en mode. Faut que je me mette ici, en mode processing. Dans le pulvériseur. Là, c'est surtout ça. Alors, j'ai mis la laine blanche, mais en vrai, faudrait que ce soit n'importe quelle laine. En vrai, je vais plutôt le faire manuellement. Je vais plutôt le faire manuellement. Donc, on va prendre la houle. Quoique la laine blanche, c'était ce que j'avais le plus. Mais on va prendre la pink, on va prendre brown. Et black, parce que c'est ce qu'il y a le plus, et au moins ça libérera un petit peu. Hop, voilà. Et pour le moment, c'est pas grave, on va mettre ça dans les pulvériseurs, comme ça, un peu à l'arrache, c'est pas bien grave. Tiens, d'ailleurs. Voilà, on va passer ça comme ça. Hop. Oh voilà, là tous mes pulvériseurs sont mis à contribution, mais au moins ça va me faire un peu de fil. Mais ouais, c'est envisageable de passer en 16K, ce sera beaucoup mieux. En fait, c'est plutôt 16 millions. C'est des 16 millions storage disque. Ok, bon. Où en sont? Ah, bah écoutez, mon armure en draconium est prête. Alors c'est pas draconium, c'est wyvern, voilà, mais on se comprend. Boots, ok. Alors, maintenant il va me falloir les upgrades. Et là, il va falloir donc que je regarde. Par exemple, là j'ai le shield recovery. Il me le faut 1, 2, 3, 4. Il me faut donc 4 shield recovery. Alors, je vais en... Ah, d'accord, ok. Bon. Pas de soucis. J'avais pas prévu ça. Donc, il va falloir... Gold chest. Je suis pas en mode craft. Sur ce mode pack, il passe pas en mode automatique pour... Ok. Est-ce que je peux le caser... Justement pas loin. Ouais, je peux caser là. Hop. Ok. Alors, je disais donc. Régénération chestplate. Tac. Ensuite, il va me falloir le shield capacity. Pareil, il va m'en falloir 4. Ok. Ensuite, les RF Capacity, je sais que ça c'est valable pour les 4 aussi. Il peut les créer. Il y a le mouvement speed, si je dis pas de bêtises, c'est uniquement pour le pantalon ça. Mouvement speed, ouais. Après.
Voilà, parce qu'après, sinon il y a le jump boost pour les boots, mais je m'en fiche un petit peu. Bon, on va déjà essayer ça, avec les RF Capacity et tout. Alors, hop, la question, et là je ne sais absolument pas comment ça se fait, est-ce que si je prends ça et... non, donc ce n'est pas comme ça. Ok, c'est pas grave, je vais voir un petit peu comment ça se met tout ça. Sachant qu'on repartira sur un enchant, tout ça, hein. Ouf, c'est classe ça. Ok, alors Alt Shift. Ok. Alors, le truc c'est je n'ai pas compris comment j'upgrader. Visiblement, c'est pas avec un clic droit. Donc il doit manquer une machine. Il doit me manquer une machine de Draconium, de Draconic Evolution. Et là, alors là, pour savoir ce que c'est, vu que je connais pas du tout le mode, je vous avouerai, je n'en sais rien. Alors ça, je sais que c'est pour le truc de craft spécifique, mais j'ai rien pour un truc, je sais pas, un truc qui ressemblerait à une anvil. Rain Sensor, Disenchanteur. Là, je vous avouerai, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir mettre les upgrades sur l'armure de Draconique.